Oui, alors je suis maître Alice Combe, je suis avocat au barreau du Cameroun et je suis présidente d'une association qui porte un vilain nom, qui s'appelle Association pour la défense de l'homosexualité et des droits des homosexuels, à défaut. J'ai commencé à travailler là-dessus il y a 11 ans et en 2013, Amnesty International section Allemagne a décidé de m'attribuer le prix des droits humains 2014 pour le travail que j'effectue sur un terrain qui, il faut le dire, est un terrain un petit peu risqué et dangereux parce que l'homosexualité au Cameroun est un délit. Être homosexuel, aimer quelqu'un, surtout s'il est du même sexe, peut vous amener en prison pour 5 ans. Et ça arrive malheureusement fréquemment. Alors c'est un combat qui est très dur. Et le fait que Amnesty International, section allemande, m'ait attribué ce prix me réconforte énormément. Mais pas seulement moi. Tous ceux qui sont des homosexuels ou prétendus homosexuels, leur famille, leurs défenseurs, ils vont reconnaître dans ce prix l'acceptation par le monde entier, à travers ce geste de la grande famille d'Amnesty International, l'acceptation de ce que les droits des homosexuels sont des droits de l'homme, tout simplement. Et ça, c'est énorme pour notre combat. Merci Amnesty d'être venu, en plus de m'avoir décerné ce prix l'année dernière, vous avez fait le déplacement sur Douala, sur le Cameroun, pour me le remettre à la maison. Je pense que pour moi, c'est le Nobel. Merci beaucoup. Et ce merci, notez qu'il est aussi celui de tous ceux qui croient à l'universalité des droits de l'homme et des homosexuels du Cameroun.